Allez, salut à tous les amis, c'est l'Antouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Black and White 2. Après cette magnifique victoire contre les Japonais qui sont en déroute, ils se sont tirés d'ici, il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne. Les trois petits soldats qui restaient ici sont décédés malheureusement. Mais c'est pas grave. On s'en fout puisque aujourd'hui on va débuter le nouveau royaume, le premier royaume des Aztèques. Donc en gros, on approche de la fin de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'il reste deux îles. Là on va entamer l'avant-dernière et vous allez voir que c'est plutôt sympa niveau ambiance. Allez, je ne vous en dis pas plus, on va voir ça tout de suite. Je regarde s'il n'y a pas d'autres missions qui ont été activées sans que je ne le sache. Non, ok, bon c'est bon. On n'aurait pas pu profiter de la merveille. Ouais, ils sont tous vieux en plus. Bah bravo. Ouais, non, elle est pas assez chargée. Bon. Allez, c'est parti, on y va. Tac. Désirez-vous vraiment quitter ce royaume? Oui. Cliquez à nouveau pour Oui. confirmer. Non, hein? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est parti. On va pouvoir vérifier les caractéristiques que notre créature a Tu connais l'art de accumulées. la guerre? C'est le boss qui l'a écrit. Ouais, c'est moi, je sais. Une belle victoire, mais ne traînons pas trop. Les Aztèques nous attendent au tournant. Ouais, c'est ce qu'on dit, ça, de toute façon. Ils attendent au tournant, ils attendent au tournant. On va quand même leur donner une petite leçon. Enfin, une grosse leçon. Même une grosse branlée, oui. Alors, créature, non. C'est ici. Elle a 11 ans, elle est 53% maléfique. Ah, elle est pas assez maléfique. Faut vraiment qu'on arrive, j'espère qu'on va réussir à ce qu'elle devienne beaucoup plus méchante avant la fin, quoi. On va essayer dans ce royaume de la faire vraiment devenir méchante, quoi. Et vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on va la faire bouffer des gens, on va la faire attaquer, enfin, que des trucs comme ça. D'ailleurs, j'essaierai de me renseigner aussi pour savoir comment on rend les créatures beaucoup plus maléfiques plus rapidement. Comme ça, on sera sûr que on aura une machine de guerre absolument sans pitié. Alors, on regarde les muscles. Muscle final, 80%. Ouais, pas mal, 80% de muscles. Tout ce qu'on aime, régime grain 4, régime villageois 9. Ah, c'est bien. Et elle mange quand même du grain, ça c'est pas normal, faudrait lui en empêcher. Nombre de victimes, 1200. Pouh, elle a fait des carnages, hein. Nombre de grosses commissions, 120. D'accord, merci. Très utile de savoir ça. Bon, ok. Forme physique, ouais, bon, c'est nickel. Elle est en pleine santé. C'est le principal. Si on veut gagner, ça va être important. Alors, je laisse la petite intro. Ah, la dernière fois que j'ai vu des Grecs, ils étaient empalés sur nos épées ou carbonisés dans la Ah oui, lave. carrément. Ah, et la prophétie, je n'y crois pas. Les tribus se fabriquent leur propre destin, et nous allons faire basculer le vôtre dans l'oubli. C'est ce qu'on lit tout le temps, mais bon. Les Japonais et les Scandinaves, ils ont dit la même chose et je les ai déglingués. Bon, là, ça va chauffer. Nous sommes en territoire aztèque. La grande bataille commence. Ouais. Ah, il s'est bouffé l'écran, lui. Il est pas doué, c'est pas très grave. Yeah, et nous voilà dans un royaume paradisiaque, sur une île, avec du sable chaud. Vos cités pitoyables ne pourront pas s'y Ouais, rendre. c'est ce qu'il dit. Les Aztèques vivent déjà dans un Bah paradis. oui, carrément, oui. Bon, on va faire un petit tour de l'île pour commencer, hein. Un magnifique île d'ailleurs, on dirait une espèce d'atoll, une archipel, perdu au milieu de l'océan. C'est pas très 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 grave. Mais on peut voir qu'il y a des dessins se dessiner sur le sable comme dans les alors je sais plus où j'avais vu ça oui dans les champs aux États-Unis ou je sais plus quoi je sais plus, on disait que c'était les ovnis bref ouais, un truc comme ça une connerie dans le style. Ah, ici on a une mission, il y a des petits cratères bon bref et là on voit que c'est sympa, c'est bien fait, la couleur de l'eau elle change, elle est turquoise au bord pour montrer que c'est pas profond et bien sûr elle devient plus foncée juste après au large. Donc là c'est la ville principale des Nous allons Aztèques. écraser les Grecs comme nous avons écrasé les Égyptiens. Les Égyptiens?
Attends, j'ai entendu les Égyptiens là? Ok, les Égyptiens. Alors je sais pas ce que viennent foutre les Égyptiens là-dedans, mais c'est pas grave. En tout cas, l'architecture aztèque est plutôt sympa. C'est... Bon, à part les maisons, j'aime pas trop. C'est de la paille, c'est pas super sympa. Mais... par contre, les bâtiments en briques, là, vous voyez, comme ça, là, c'est très joli. Les pyramides, Inca, enfin, aztèque, bref, comme vous voulez. Et la musique aussi est pas mal. J'avais jamais entendu celle-là, je crois, vu que je fais le mal. Et comme on peut le voir aussi, quelque chose de marrant, les archers, enfin les archères, devrais-je dire, sont des femmes. Elles font des bruits un petit peu bizarres, mais bon, bref, on va considérer que c'est normal. Ok, bon, voilà, ils ont la masse d'armée, hein, oui. Bon, ils ont presque autant de guerriers que de population, bref. Passons. Et ils sont déjà postés devant ma ville. Donc on va se mettre au travail direct, parce que là, ça va pas... Ah oui, alors je vais pas faire la même connerie qu'avant. Ah, c'est bien, elle se muscle. Ah non, en fait, j'ai cru. Bon, on va direct commencer par la muscler. Tac, me... Tu ramasses ça et tu vas te muscler tout de suite. Voilà, se muscler. Tac. On va vérifier les terres fertiles. Ouh là 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 là. Les terres fertiles. Ah oui, d'accord. Donc c'est autour, essentiellement autour de cette oasis. Ouais, d'accord. En fait, on va pas pouvoir faire de champ ici. Bon, bah ça tombe bien. Je vais pouvoir construire mon entrepôt pile là. Les entrepôts grecs n'abriteront bientôt plus que des rats. Des rats, oui, si tu veux, des rats, oui. Moi, j'aime bien les rats, c'est gentil. Mais... On va encore la muscler, c'est pas assez. Faut que t'aies plus de force, me. Ah bah tiens, je sais ce qu'on va faire. Après cette séance de musculation, tu vas aller défoncer ce petit bataillon qui se promène à côté de ma ville. J'aime pas trop. Allez, au boulot, là, on se bouge. Non, mais oh, l'hôtel, on va le faire ici. Hop, voilà. Ils construisent un hôtel. On va mettre des champs là, voilà. Allez leur venir en aide. Bah ouais, écoute. Tac. Ouais, il vous faut de la nourriture. La terre de ces champs avec les eaux broyées des Grecs. Ah oui, au moins. On va, voilà, on va faire tout le tour de l'oasis, enfin juste les bords là, on va dire. Avec des champs pour avoir de la nourriture, parce que sinon là, c'est vrai que cultiver sur du sable, c'est pas la meilleure solution. Surtout si vous êtes plus de je sais pas combien. Sur l'île, voilà. On va les aider puisqu'ils mettent 30 ans à construire leur putain d'entrepôt. Voilà. L'hôtel, on va en profiter. Comme ça sera fait. Tac, 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 tac. C'est vrai que c'est coûteux l'hôtel quand même, hein. J'avais pas tilté, mais 3000 de bois, c'est pas donné, hein. Franchement, ils auraient pu faire une ristourne. Ok, c'est bon, on a déjà un hôtel. On va faire des petites maisons pour les abriter. Alors d'abord, les chemins. Et je vais pas faire aussi comme la dernière fois, là, je vais mettre que des taudis, voilà. Comme ça, ma ville sera dégueulasse et on risquera pas de... Enfin, aussi peut-être, mais bon, ça, c'est... On peut pas rien y faire, on ne risquera pas de... Pour construire de misérables tas de boue. Ouais, c'est des tas de boue, tu peux dire ça comme ça. Pour ne pas attirer les autres populations, comme ça, voilà, on sera tranquille, on pourra faire le mal. On va faire une première rangée de taudis, voilà, ça devrait suffire. C'est bien ça, ils sont pas contents, mais c'est ce qu'on veut, nous. Mal, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. C'est exactement ça. On va faire une deuxième... Ah, barre-toi, ouais, on va faire... Ouais, c'est ça qu'on va faire, voilà. On va élaborer les... Enfin, élaborer, attribuer les rôles, voilà. Disciple reproducteur. Donc, voilà, la masse de reproducteurs... Les seuls disciples qu'on n'a pas besoin de faire, c'est les disciples fermiers, puisque voilà, ils le font vraiment tout seuls, c'est une nécessité pour eux. Par contre, disciples on va faire quelques forestiers. Disciples forestiers. Disciples mineurs. Disciples mineurs et des bâtisseurs. Disciples bâtisseurs. Disciples voilà, on en aura besoin. Ok, donc me, tu vas vite fait... Ah bah merde, ils se sont tirés. Ah non, ils sont là. Bah en plus, ils ont ramené des copains. Allez, tu vas te faire un peu d'entraînement. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Ok, donc les rôles ont été attribués. Ça, c'est une chose de faite. On va pouvoir s'attaquer à la construction. Alors là, je crois que je n'aurai pas la place. Ouais. Et... Oh là là, qu'est-ce que... Oh putain, ça m'énerve quand ça fait ça. 152 de prestige, vous êtes sérieux? Alors que c'est des vieux tas de bouse, comme il dit l'autre. Bon, on a peut-être pas la même définition. Oula, désolé. J'espère que ça vous a pas déglingué les oreilles. Non, ça devrait aller. Donc... Et qu'est-ce que t'attends, me?
Attends, on va lui mettre. Allez, vas-y. Ça, c'était beau. Oh oui, alors ça, c'est le maxi coup de dos là. Oh yeah. Oh là là, avec les jambes écartées sur le sol et tout. Oh, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ils sont en déroute là, vas-y, défonce-les. Oh oui. Oh oui. Par contre, je voudrais pas te vexer, mais tu vises presque à côté là. Ah, alors, ça c'est quoi? Ah, ce sont des archers. Ah oui, par contre, eux, ils ont des flèches enflammées. Et ça fait bobo. Allez, me. Réagis. Ah oui, bien, 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 bien. Bien joué. Vite, vite, vite. Vas-y, me. Fais-toi ces archers avant que tu meurs. Parce que là... Voilà, elle est dans le beau drap, là. Ah, c'est bugué, là, la flamme qui reste sur la main. Ah, elle va décéder. Ah, dommage. Ah, ils sont très puissants, les archers. Faut que je fasse gaffe. La prochaine fois, je ferai plus attention parce que c'est vrai que les archers avec les flèches enflammées, c'est particulièrement efficace contre les vaches avec de la fourrure. Ouais, ça crame les poils. On va faire un temple tout de suite. Une garderie pour garder les enfants, bien sûr. On va voilà faire là, la garderie. On va faire le temple. Les enfants. Ah oui, une garnison. Ah oui, les enfants. Ils ne seront pas éclairés. Ah oui, oh, il est sympa, lui. De toute façon, tu vas même pas comprendre ce que je vais te faire, toi. Je préfère pas le dire maintenant, mais bon. Je te réserve un truc bien particulier. La garnison qui sera... Bon, on va pas bloquer le passage, mais... Où est-ce qu'on pourrait la foutre? Ouais, écoutez, on va la foutre. Bon, on s'en fout là, mais en plein milieu de la ville, hein. Écoutez, nous on est comme ça, on en a rien à cirer. On va faire le tour des champs avec des chemins. Oui, histoire de délimiter un peu les zones quand même. Voilà, qu'on soit pas dérangé pour plus tard. Ok, bon, ça c'est fait. On rajoute des petits taudis. Je vais construire un temple puisque c'est quand même important qu'il nous vénère, hein. Faut pas oublier qu'on est un dieu, hein. Il faut qu'ils nous vénèrent. Ils veulent un moulin. Ouais, le moulin, c'est vrai que ça pourrait leur servir. Par contre, je sais pas où je vais le foutre parce que... Non, putain. C'est le chemin que je voulais. Voilà. Ouais, alors. Ça, c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu la merde. Ça, voilà. Alors, où est-ce que... Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé à ça. Le moulin, ouais, ça va être chaud niveau... Vraiment, niveau plat, ça va être vraiment très très short. Et niveau bois aussi, vous voyez, on va vite manquer de bois. Oh là là, ça c'était pas prévu non plus. Jeter d'arbres, tranquille, comme ça. Ah là, c'était même pas... Oh. Putain, elle apparaît, elle ressuscite bizarrement, hein, la créature, c'est ça. C'est assez chelou. Allez hop, on va vite construire ça. Coup de pouce divin. Et ils ont encore besoin de nourriture. Ils sont pas foutus de s'en préoccuper eux-mêmes. Ok, ça c'est fait. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais en profiter. Tiens, j'y pense. On va construire la garnison. Il faut du minerai. Ouais, 500 de minerai. Voilà. Parfait. Alors, est-ce que j'ai des blocs de minerai? Ah bah tiens. Voilà. On va faire une armée le plus vite. Le plus vite possible. Voilà, ça nous a libéré beaucoup de place. Putain, qu'est-ce qui gêne là? C'est pas sérieux quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir construire le temple et ça va encore plus nous libérer. Pourquoi il veut pas là? Ouais, bon, laissez tomber, je comprends pas. Des fois, les chemins, ils sont buggés, hein. Bref. Là, il y a pile la place. Le moulin, oui, le moulin. Bon, on va le faire ici, le moulin, c'est parfait. Voilà. Une place s'est libérée. C'est parfait. On va le faire bien en bordure, là, nickel. Là où il sera le plus productif. Allez, on va finir ce petit bataillon. Tu vas prendre ta revanche, me. Tu vas leur faire bouffer le sable. Voilà, comme ça, c'est dit. Une auberge, ouais, ça peut le faire. On va la faire là, dans le quartier
Là où il y a le... Ils essaient de noyer leur terreur dans la boisson. Bah oui, écoute. Nous, on est comme ça. On va mettre les archers à côté des champs. À côté de la garderie, tu sais. Le petit temple qui va bien, on le fera après. On va les laisser construire d'abord leur... Enfin, leur bâtiment, l'auberge, leur taudis. Oui, parce que voilà, quoi, faut bien qu'ils déconstruisent leur taudis. Hein. Ça se fait pas tout seul. Il manquerait plus que je les aide, hein. Oh, je suis méchant. Je suis méchant. Eh oh! Putain, il a mis du temps à comprendre le... Allez! Ah, oh oui, j'y étais presque. Voilà, parfait. Alors... Mais qu'est-ce que tu fous? Tu t'es fait déchirer. Oh là là, c'est vrai que là, va falloir que je trouve un moyen pour faire face aux archers, hein, puisque là, ça va plus, là, on se fait défoncer, là. Ok, on va faire l'auberge, parce qu'ils ont pas l'air de comprendre. C'est juste histoire de libérer de la place, hein. Oh putain, j'ai pas assez de bois. Putain, je comprends pas que les taudis ça puisse faire autant de prestige. Bon, à la limite, les auberges et tout le tralala. Ouais, regardez, les auberges, ça fait à peine plus qu'un vieux taudis, quoi. Putain. Faut de la nourriture. Là, c'est parfait. Hop. Pour l'instant, on fait tout ce qui est logement. Comme ça, on en sera débarrassé. D'ailleurs, est-ce que la population se reproduit? Ouais. Les exilés continuent à empiéter sur mes terres. Bah ouais, j'empiète, ouais. Alors, voyons voir les villes aux alentours. Ici, est-ce que c'est une ville, ça? Ouais, c'est une ville. Ils ont que dalle. Ouais, ils ont vraiment que dalle. On va voir si... Combien de... On va voir les villes qu'il reste... Enfin, que l'on est potentiellement... capable d'attirer. Nourri, ok. El Amana, bon, 946. Bon, ça va, ça devrait le faire. Je suppose que c'est ici El Amana. Dire que j'aurais pu éradiquer les Grecs pour de bon. Et maintenant, non, ça c'est Alaka. D'accord. El Amana, ça doit être. Alors attendez, faut que je repère un petit peu. Alors peut-être que c'est ici. Non, El Amana, ça. Non, ça c'est machin truc. Ça c'est quoi? C'est peut-être ça El Amana. Non, ça c'est mais machin. Ah, c'est peut-être ça, vous voyez, j'avais pas vu ça. El Amana, d'accord, putain, ils ont 3 maisons et un pauvre champ. Ok, bah ils sont heureux, hein, c'est le principal. Il est quelle heure là? Parce que, regardez ce soleil magnifique, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est dommage que l'été soit terminé. Hein. On aurait pu en profiter. Il nous faudrait des disciples adorateurs, ce serait sympathique. Wow, c'est vachement sombre. Hein. Il crève déjà la dalle, quoi. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. On va les aider, parce que là, c'est pas possible. Bon, finalement, je vais peut-être faire des disciples fermiers. Tac. Non. Me. Je jouerai sans arrêt avec des joujoux. Je suis vraiment un grand enfant. Non. T'as pas honte? Tiens. Tu joues avec des jouets d'adultes. Ouh, je t'ai brisé la colonne, là. Voilà, tiens. Et encore une. Non, et encore une. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, comme ça. Et tu recommenceras pas. Ouais, on va attendre un peu avant de faire une armée. Mais déjà, il nous faut de la bouffe, là, ouais, parce que... Bon, pour l'instant, on n'est pas débordé, hein. C'est pas comme si... Voilà, quoi. Est-ce qu'on a du mana? Ouais, on a la possibilité de faire un miracle. Bon, on va s'en servir, hein. Miracle de l'eau. C'est toujours ça de gagner. Ok. Voilà, ça c'est fait. On remplit l'entrepôt et comme ça on est tranquille pendant un petit moment. Hop là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Youpi, voilà. Ok, niveau bouffe, c'est fait. Ah, bah voilà, il n'y a que 2 de prestige maintenant. Le prestige est descendu. Le marché du...
Okala a décidé d'arroser les arbres. Et bientôt le coucher de soleil, regardez-moi, ça c'est magnifique, on a une luminosité absolument exceptionnelle. J'ai baissé le gamma au maximum et ça rend plutôt très bien. Ah merde, par contre ils ont amené des catapultes. Et je viens de me rendre compte que je pourrais... Voilà, faire ces les remparts. Ces idiots pensent que leurs remparts m'empêcheront d'entrer. Mais oui, putain, il est con. Réduisez ces remparts en poussière. Ouais, par contre, c'est pas très intelligent ce que je viens de faire, mais... C'est même complètement stupide, mais... Ouais, c'est pas grave. Ok, donc ça c'est quoi? Des guerriers? Bon, bah c'est parti, bah me... T'es où, me? Vas-y, viens. Non, mais au lieu d'arroser les arbres, là, va faire quelque chose d'utile, là, rends-toi... Rends-toi utile, là. Des naissances, bon, ok, c'est bien. Ah oui, je me rappelle, j'avais acheté des pales, il me semble. Ouais, j'avais acheté des pales. On va les mettre, écoutez, les amis, pour le fun, j'avais jamais mis ça dans mes autres villes. Ah oui, et tiens, j'avais oublié de mettre des lanternes aussi, ça pourrait le faire, là. Je vais lancer la construction de plusieurs lanternes pour éclairer la ville, mais peut-être pas tout de suite. On va attendre d'avoir les ressources en minerai nécessaires. On va mettre quelques statues de la fertilité, c'est juste pour le début, hein, histoire d'améliorer la fécondité, voilà, et pouvoir avoir une grosse population le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Alors, nous avons conquis une ville. Ah ben merde, on a conquis une ville. Bon, au moins ça nous a fait 40 points d'offrande. Vas-y. Notre créature est arrivée. Va plutôt déglinguer les archers parce que c'est eux qui te font le plus de dégâts. Allez, vas-y. Putain, mais en un coup de pied, t'en tues qu'une seule, oui. Ah oui, bah voilà, ça c'est fait, voilà. Ben voilà. Putain, c'était pas si compliqué que ça. Allez. Ok, c'est bon. J'adore regarder combattre leurs créatures. Bah attends, elle combat très bien. C'est une vache, voilà, je vois pas ce qu'il y a de mal. Qu'est-ce que t'insinues là, hein? Oh là là. Bon, finalement, on va peut-être mettre les lanternes parce qu'on y voit que dalle. Ces pertes vont raviver la hargne de nos troupes. Ah bah, si tu le dis, hein. Ramène-les, moi j'adore faire ça. Si t'aimes voir combattre ma créature, bah... Y'a qu'à demander, hein. Ramène tes hommes, hein, au casse-pipe, hein, y'a pas d'autre mot. Putain, y'a pas la place, hein. C'est très étroit comme ville, mine de rien. Tac. Voilà, c'est beau, ça. Voilà, parfait. Oh shit, ouais, bon, me, tu vas aller t'occuper de cette catapulte. Cet individu très gênant qui est en train de bousiller mes remparts. Ah, oh, c'est magnifique, hein, coucher de soleil, enfin, fin de coucher de soleil, début de la nuit. Très joli. Donc, on va faire un tour aussi des missions que l'on a. Alors, je propose... Plouf plouf, je sais que celle-ci est intéressante, elle est très marrante. Celle-là, elle est... Bon, voilà, c'est pas très intéressant, quoi. Et celle-là aussi, elle est sympa. Mais celle-là, on va la garder. Nous perdons des catapultes. En dernier. C'est inacceptable. C'est inacceptable, oui. Je pense qu'on va lancer le speech de celle-ci. Hop, je vous laisse écouter. Oui, c'est du sirop à la menthe. Oh, bonjour. Il nous faut quelque chose de spécial pour notre rituel. Nous avons oublié ce que c'est, mais en le voyant, on s'en souviendra. Alors, apportez-nous des trucs. Ouais, apportez des machins. On ne sait jamais ce qui peut servir. Ok. Je suis impatient de voir ce rituel. Ah, c'est très précis comme mission. Apportez des machins. Ok, bah, j'y penserai la prochaine fois, merci. Putain, mais... Ah, j'ai oublié. Ah, un tout petit peu bourré sur les bords. Je sais pas ce qu'il y a dans leur rituel et dans leur marmite, mais à mon avis, il y a pas que du sirop là-dedans, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, bah on va essayer ça. Tout d'abord, testons. Non, pas un enfant, c'est pas ça que je voulais prendre. Testons. Ouais, voilà. Voilà, toi tu vas...
faire l'office d'une petite vérification. Ouais, je sais, attends. Oh oui, regardez-le, il est mignon. Ah oui. Un peu vieux, mais mignon. Peut-être un peu trop vieux pour notre rituel, en fait. Alors là, les filles, c'est parce que vous perdez. Ah, j'avoue, là. Ouais, là, vous ratez un truc. Mais une bombe atomique, quoi. Hein. Ah, mais vraiment, là, c'est... Putain, mais vous savez pas ce que vous perdez. Parce que disciple fermier. Et ici il est trop vieux, bah alors elle, est-ce qu'elle sera trop vieille elle ou quoi là? Un groupe d'immigrants attend à la frontière. Qu'il est mignon. Quoi? Trop jeune pour notre rituel. Mais t'es sérieuse? Un beau cheveu et un beau sourire. Il se tient droit. Mais il conviendra pas. Quel dommage. Mais c'est une fille. Je veux rentrer à la maison. Mais c'est une fille. Mais pourquoi ils lui ont mis une voix de mec? Oh, fermier. Mais alors, je comprends pas. Alors lui, est-ce qu'il est trop vieux ou quoi? On va tester, on va voir ce que ça donne. Oh, il est adorable. Ouais, à mon avis, ça va être la même chose. Oh oui, regardez-le. Il est mignon. Un peu vieux, mais mignon. Ok. Peut-être un peu trop vieux pour notre rituel, en fait. Alors là, les filles, c'est parce que vous... Ils ont tous la même voix aussi. Et ils ont l'air d'être un peu poivreux sur les bords. Hein. Ils abusent un petit peu de la bouteille. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Disciple. Bon, bah, on va tester un enfant, alors. Mais elle va nous sortir qu'il est trop jeune, c'est ça? Voilà, on va leur filer. Qu'il est mignon. Oh, mais t'es pas sérieuse. Il a de beaux cheveux et un beau sourire. Il se tient droit. Mais il conviendra pas. Quel dommage. J'ai peur. Je veux rentrer à la maison. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et la mana est tombée entre les mains des exilés. Encore? Ah mais merde. Sa perte n'est pas d'une grande importance stratégique. Ah merde, je peux pas récupérer le gamin. Bon bah désolé mon gars, mais tu vas crever sur cette île. Et on a capturé une deuxième... Enfin, pas capturé, mais bon, voilà quoi, je me comprends. C'est dommage, bon, au pire, ils nous ramènent de la bouffe. De toute façon, les premières villes, c'est un peu dur de pas les... Voilà quoi, de pas les conquérir autrement que par le prestige, c'est un petit peu dur. Putain, mais ils font chier, on va tester avec de la nourriture, tiens. Putain, je suis taré, moi. Voilà, je vais leur prendre un clic de bouffe. Ouais, parce qu'il faut pas exagérer, hein. Voilà, le petit tas de grains. De la nourriture. Et le gosse, il a récupéré. Non, elle ne doit pas être mauvaise. Mais pour le rituel, elle nous servira. Oh là là, je sens que ça va être drôle. Le pire, c'est que j'ai oublié, quoi. Alors, il me semblait que... on pouvait leur donner du... Non. Voilà, du minerai. Il me semblait que le minerai, ça marchait. Non, ça marche pas. Minerai, ça marche pas. Peut-être le bois. Peut-être du bois, ouais. Ok, lourd bug. Oh, du bois. Il sent bon. Il a l'air solide. Mais c'est pas ce qu'il nous faut pour le rituel. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il leur faut, putain? Je comprends pas. Ouais, bon, là, ça va être un petit peu casse-couille. Attendez, on va réessayer avec le minerai parce que peut-être que je l'ai mal fait. Hein. Voilà. J'avais mal fait. Du minerai? Non. C'est joli. Mais pour le rituel, ça n'ira pas. Oula, sûrement pas. Ah, tout petit peu cache-couille, non? Ok, bon, je sais pas grave. Bon, bah, pour l'instant, on sait que c'est pas ça. Oh, putain, c'est magnifique. Tellement classe. Bah, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur filer? Un rocher? Eh, merde. C'est ce que je voulais faire. Putain, il y en a, ils rompent bizarre, mon escalier. Un rocher, un joli rocher. Mais un rocher quoi. On peut rien faire avec ça, hein, non? Faut pas pousser trop loin quand même, hein. Mais attendez, on a testé vieux, femme, homme, enfant, bois, minerai, grain. Qu'est-ce que je pourrais leur filer? Je vois strictement rien là. C'est le trou noir. Nous avons besoin de plus
c'est le trou noir. T'es en train de perdre de la musculature là, ça va pas. Enfin non, ramasser. Tu vas te muscler un petit coup. Ouais, je vois qu'on arrive aux 30 minutes. Bon, on va se laisser là. Voilà, fais-toi une petite séance de musculation. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode sur la terre des Aztèques en pleine nuit. Magnifique. Super bille. En tout cas, laissez un petit commentaire, un petit j'aime et portez-vous bien. À la prochaine. Salut à tous.